Les gens utilisent beaucoup le gingembre. Ne pas savoir ce que cela fait à votre santé. Le gingembre est utilisé par des gens partout dans le monde. Mais que fait vraiment cette plante pour notre santé? C'est ce que nous dirons dans la vidéo d'aujourd'hui. Le gingembre est une racine qui contient plusieurs propriétés médicinales. Et nombre de ses propriétés sont étayées par des études scientifiques. Son utilisation s'est répandue dans le monde entier. Pour ses bienfaits santé qui lui sont attribués. Cependant, beaucoup de gens ne savent toujours pas que cette plante bon marché est facile à trouver. Peut faire de ta vie. On le voit souvent sur le marché. Nous ne savons pas que c'est un prix bas. Nous pourrions avoir un grand allié pour notre santé. Et aujourd'hui nous voulons partager cet avantage important du gingembre pour notre corps. Et à la fin nous vous montrerons une façon très simple de le consommer. Et c'est un thé très puissant et médicinal. Numéro 1. Améliore la circulation sanguine. Le gingembre contient du magnésium et du zinc. Essentiel pour améliorer la circulation sanguine. Le gingembre a des propriétés qui abaissent les lipides sanguins. Aider à réduire le mauvais cholestérol. Et prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais d'autre part, il est également utile pour réduire la fièvre. Et autres problèmes de transpiration excessive. Numéro 2. Aide à prévenir le rhume et la grippe. Le gingembre a des unités antivirales. Qui peut agir contre les symptômes de la grippe et du rhume? Cette racine est utilisée depuis des siècles en Asie pour soulager le rhume, la grippe et la toux. Avec son puissant effet anti-inflammatoire. Numéro 3. Favorise l'absorption des nutriments. Si nous avions des problèmes d'appétit, on pourrait mâcher du gingembre avant les repas. Stimuler la faim. Et quand on consomme cette racine, nous garantissons une meilleure absorption des nutriments essentiels du corps. Stimule la sécrétion de l'estomac. Et enzymes pancréatiques. Numéro 4. Facilite la digestion. En plus d'améliorer l'absorption des nutriments dans le corps, le gingembre aide également à soulager les douleurs abdominales. Et se produit généralement lorsqu'il y a une inflammation de l'estomac. En plus de prévenir et combattre la constipation. Réduire les gaz intestinaux et favoriser une meilleure digestion. Numéro 5. Peut-être anticancéreux. C'est vrai. Diverses enquêtes, y compris des études sur ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, trouvaient que cette racine peut avoir des substances anticancéreuses. Capable de ralentir la croissance des cellules cancéreuses dans le col de l'utérus et la prostate. Et n'oubliez pas que ce conseil peut être précieux pour vos amis et votre famille. Numéro 6. Soulage les douleurs articulaires. Nous avons déjà mentionné que cet ingrédient a également des propriétés anti-inflammatoires. Qui aident à réduire les douleurs articulaires et l'inflammation. Ainsi que d'autres maladies courantes. Numéro 7. Renforce le système immunitaire. Consommation régulière de cette plante aide à renforcer votre système immunitaire et garder les défenses de l'organisme fortes avant d'éventuelles infections, comme le rhume ou les maladies chroniques. Et on pense également qu'il réduit le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Comment profiter des bienfaits du gingembre? Il existe de nombreuses façons de consommer cette racine et bénéficier de vos avantages. Mais aujourd'hui nous allons vous montrer un moyen très simple et très bon marché pour le consommer. C'est un thé avec les ingrédients suivants. Gingembre et citron. Et passons aux ingrédients. Une petite racine de gingembre. Un citron. Un verre d'eau. Et une cuillère de miel. Et comment se préparer? Mettre un verre d'eau dans une casserole jusqu'à ébullition. Couper le gingembre en petits morceaux. Ajouter le gingembre à l'eau dans la casserole que vous avez laissé chauffer. Et laisser bouillir quelques minutes. Puis éteignez le feu. Et laissez reposer encore quelques minutes. Ensuite, nous filtrerons immédiatement. Maintenant ajoutez un peu de jus de citron. Et une cuillère à café de miel. Et mélangeons très bien le tout. Nous recommandons de consommer ce remède le matin au réveil. Thé au gingembre et au citron. Cela apportera également d'autres avantages à votre santé. En plus de ceux déjà mentionnés dans cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo est à titre informatif. Donc si vous avez des questions à propos de la consommation d'un remède maison, consultez votre médecin. Bien que cette plante aide à traiter ces maladies, cela pourrait ne pas convenir à certaines personnes non plus, d'accord?
Et cette information est très importante. Alors ne le garde pas pour toi, d'accord? Je reste ici. Un gros bisou. Reste avec Dieu.